Coucou, me revoici donc. Bienvenue à tout le monde en ce samedi. Comment dire, je sais plus si c'est le 20 ou le 21 avril, février. Pourquoi avril? Pourquoi avril 2021? Donc, merci pour vos gentils commentaires. Donc, hier. Voilà, on m'a suggéré de faire ceci, cela, etc. Mais j'avais vraiment trop, trop mal que je n'ai rien fait. Je me suis juste après allongée, j'ai mangé, je me suis reposée et me coucher. Voilà. Donc, toujours mal, hein, voilà, hein, cervical, les genoux, les os des hanches, etc., etc. Donc, ça va être une courte, un partage qui va être court. Donc, je reviendrai certainement demain ou lundi. Donc, je vous remercie de votre gentillesse. Voilà, des conseils aussi, etc., etc. Là, j'ai promené Nouki, donc j'ai marché à mon rythme parce que là où je vais, ça monte un petit peu. Voilà. Et c'était vraiment très agréable parce qu'il fait très très bon. Voilà, il fait moins froid et pas un souffle de vent, c'était agréable. C'était le calme, c'était tranquille, c'était bien. Voilà, pour les personnes qui m'ont suivi, que je vous avais parlé de ce monsieur qui est centenaire, d'accord? Ce monsieur. Rappelez-vous, je vous avais dit il y a quelque temps que je ne sentais pas. Il y avait quelque chose qui me dérangeait au niveau de ces ondes que je recevais en pleine face. Je vous avais dit certaines choses, hein, ce monsieur qui a 100 ans. Je pense que ça fait à peine 3 mois. Eh bien, j'ai été le voir aujourd'hui, voilà, hein, ce matin et puis ce soir. Donc, voilà, pour m'occuper de lui, etc., etc. Et puis, vous savez que nous avons un carnet de liaison. Donc, ce carnet de liaison permet de voir ce que les autres personnes ont noté au niveau de tout, de la nourriture aussi, etc., etc. Donc, j'ai lu et eh bien, j'ai appris que ce monsieur est tombé. Voilà, puisqu'il, des fois, il est seul l'après-midi. Donc, il se sert de quelque chose pour se déplacer. Et il est tombé. Donc il reçoit des soins, etc. Et là, quand j'y suis allée de 10h à midi, et ce soir de 18h, vous allez tout savoir, à 19h, pardon, il m'a pris encore la nausée et je sens que ça va très très mal. Voilà, en plus on a un peu dialogué légèrement. Puisque le matin maintenant, il y a quelqu'un qui vient pour des soins, donc avant moi. Donc il est levé plus tôt, il déjeune un petit peu, et après il reste au lit. Voilà, il se déplace rarement. D'ailleurs, il a du mal même à se déplacer avec quelque chose qui l'aide à se déplacer. Donc voilà. Et l'appétit, malheureusement, s'en va. Voilà, il y a un manque d'appétit. Et j'ai voulu un peu dialoguer avec lui, etc. Donc ça m'a fait quelque chose. Je me suis senti pas bien non plus en partant, donc à midi. Et ce soir, pire, pire, pire que tout encore. J'ai eu donc encore cette nausée. Et j'ai constaté que malgré les bons repas, etc., ben, il n'y a plus d'appétit du tout. Voilà. En plat principal, c'est deux fourchettes. Hein. Un peu de fromage, une toute petite part avec un petit peu de pain de mie. Voilà. Le dessert, c'est deux petites cuillères de quelque chose. Et c'est tout. Et il demande d'aller se recoucher. Voilà. Il dort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc très fatigué. Je l'ai trouvé amaigri au niveau du visage. Il buvait du café, voilà, il aimait bien regarder ses journaux, etc. Il n'a même pas regardé le journal d'aujourd'hui. Le café, il a bu quoi? À peine deux gorgées à midi. Et puis, je l'ai aidé donc à ses déplacements jusqu'à son lit.
Et quand je suis revenue, il n'avait pas envie de se lever, donc je lui ai dit que c'était le repas du soir. Donc voilà, le soir, voilà, il mange plus léger, mais bon, il mangeait un petit peu quand même avant. Là, à peine 2 cuillères de soupe. Soupe fait maison avec un peu de crème fraîche et la moitié d'un surimi. Il voulait pas de mayonnaise et il a mangé quand même un tout petit bout de fromage avec un tout petit peu de pain. Un mi maintenant. Et le dessert, c'est même pas la peine. Le café, c'est pareil, il n'en voulait pas. Et même avant de manger son fromage ou son dessert, il voulait aller se coucher, recoucher. Et donc on a un peu discuté ensemble. Donc j'ai vu qu'il n'a pas lu son journal d'aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un qui aimait bien regarder le journal et qui se levait pour déjeuner et qui restait un petit peu et qui se déplaçait après tout seul. Voilà. Enfin bref. Et quand je suis partie, quand je suis sortie de cette maison, j'ai eu vraiment la nausée. Ça recommençait tout à l'heure, donc j'ai pris quelque chose. Donc, malheureusement, c'est pour vous dire que je sens pas trop bien là. Et il m'a répété encore plusieurs fois, vous venez demain, demain. Je dis non, demain, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Et dans la semaine, non, c'est une autre personne qui vient, etc., etc. Il m'a répété ça plusieurs fois. Donc, voilà, pour les personnes qui demandaient souvent des nouvelles de ce monsieur. Eh bien, il a perdu l'appétit. Quand on perd l'appétit, c'est pas bon. Très amaigri, les joues creuses. Bon, le fait qu'il est tombé, c'est vrai que quand il marche un petit peu en l'aidant, c'est vrai qu'il a mal. Ça, il souffre certainement. Et en discutant avec lui à table un petit peu, il m'a expliqué qu'il avait du mal à avaler. Voilà, ça passait plus du tout. Donc, c'est pas très bon non plus. Quand on a quand même quelques références en auxiliaire de vie, etc. Et voilà, fatigué, il m'a dit, bah, c'est la vieillesse, hein, voilà. Donc, bon, ça m'a attristé parce qu'on s'attache aux gens quand même, hein. Voilà, je suis pas fait, je suis assez en pâte, donc voilà. Donc pour les personnes qui voulaient avoir des nouvelles, c'est vrai que j'ai encore senti des ondes très négatives aujourd'hui. Voilà, puis un grand changement de sa personne. Voilà, plus de lecture, on lit plus le journal, on boit plus même plus son petit café. Enfin bref. Bon, ça c'était une aparté. Je n'ai retiré les cartes que j'avais sorties, donc voilà, je devais revenir vers vous, mais je me sens pas encore ce soir, donc veuillez m'en excuser. Donc merci pour vos gentils commentaires. Par contre, en ce qui concerne la personne, bonjour, merci. Oui, c'est une formule de politesse, certes. Donc on a peut-être mal compris ce que je voulais dire. Voilà, je n'ai pas été dans l'agression non plus, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est très étonnant quand on marque juste bonjour, merci. C'est vrai que c'est une formule de politesse, mais il y a quelque chose qui me dérange quand même. Je n'ai pas dit que vous étiez une personne méchante ni quoi que ce soit, pas du tout. Hein, en plus, je vous remercie pour les prompts rétablissements, ce prompt rétablissement. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, quand je dis qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est que si vous voulez, il s'est créé quand même des liens avec certaines personnes. Voilà, donc bien souvent on me dit merci, mais on met des petits trucs, des petits cœurs, des petits ceci, des petites. Vous savez, quand on met les mains comme ça, merci, merci, comme on fait. Dans d'autres pays, etc. Donc ça, c'est ça qui m'a un petit peu interpellée. Donc voilà, je suis très calme. Je n'ai pas dit que vous étiez une personne agressive, que vous ayez du mal, ni quoi que ce soit. Voilà, je sais que c'est une formule de politesse, donc déjà c'est très bien. Mais quelque part, ça m'interpelle quand même. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées à d'autres chaînes, et je sais qu'il y a peut-être des personnes qui viennent regarder et qui raconte ce qui se passe, voilà. Donc voilà, c'est pas dans la méchanceté. C'est vrai qu'il y a d'autres. Il s'est créé quand même des liens avec d'autres abonnés.
Donc il y a toujours, même si c'est très court, il y a toujours une petite formule de politesse ou des petits, je sais plus comment on appelle ça là, que l'on met, soit le sourire, soit ceci, soit cela. Donc bon bah merci quand même pour ce rétablissement, c'est gentil. Mais il faut pas interpréter ce que je n'ai, comment dire, quand j'ai dit que je ne vous sentais pas, je n'ai pas dit non plus, il faut pas tout mélanger, je n'ai pas dit que vous étiez agressive ou agressif, je n'ai pas dit vous étiez dans la méchanceté ni quoi que ce soit, mais ça m'a interpellée, tout simplement. Donc c'est pas bien méchant, pas d'inquiétude. Bon, on va parler un petit peu de Nice, donc j'ai envie de vous dire attention, voilà, parce que Véreux va parler ce week-end, donc je ne sais pas, j'étais absente, je ne sais pas s'il a parlé aujourd'hui ou pas, je n'en sais rien. J'ai envie de vous dire attention. En plus, il y a le maire de Nice qui soutient ce confinement, qui voudrait ce confinement. Voilà, on parle vraiment, comment dire, d'un dépistage vraiment massif à la rentrée pour les enfants. Ma crotte veut attendre 8 à 10 jours, voir un petit peu tout ceci, mais voilà, il y a des échanges entre eux, il y a des accords, il y a des désaccords, l'un veut ceci, l'autre veut autre chose, etc., etc. D'accord? Donc je vois un petit peu de désaccord quand même. Donc Nice, comment dire, va être, comment dire, ravitaillé donc au niveau des vaccins, donc j'ai envie de vous dire aussi attention. Et si vous vous rappelez, il y a quelque temps, je vous avais dit que je voyais des confinements, mais partiels, par-ci, par-là, par département, par quartier, par local, par ceci, par cela, hein, parce que général, ça va pas le faire, d'accord? Donc je pense qu'il va y avoir, ça va se faire, voilà. Alors soit ça va être comment dire, par quartier, localement, ou tout Nice, je ne sais pas, mais je vois ce genre de choses, et je vois aussi qu'il y a une possibilité de faire la même chose aussi ailleurs, peut-être en même temps ou plus tard, d'accord? Parce qu'en fin de compte, on vous dit ceci, cela, mais il fait beau, les gens ont envie de sortir, c'est tout à fait normal. Voilà, comme personnellement j'apprécie de sortir et que la température a monté ici dans le Grand Est, c'est vraiment très agréable. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie non plus de rester cloué à 18 h chez soi. D'accord? Donc j'ai cette possibilité de sortir Nouki. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Hein, il a besoin de faire ses besoins. Et voilà, mais je comprends très bien que les personnes qui se trouvent aussi en bord de mer ou ailleurs, etc., ont envie aussi, comme en Île-de-France ou Paris, etc., ils ont envie de souffler un petit peu et de sortir. Voilà. Donc c'est vrai que le confinement à 18 h, moi, sincèrement, je l'ai toujours dit, soit on fait tout ou rien. On fait pas par-ci, par-là, tatati, tatata. Voilà, on fait mariner les gens, etc., etc. Donc, des fois, vaut mieux un confinement général de partout pendant une semaine, boum, et les choses pourront rentrer dans l'ordre. Mais non, on ne veut pas faire ça, d'accord? Parce qu'ils savent très bien que, voilà, ça va pas le faire. Mais, comme à chaque fois, en plus, il n'y a pas très longtemps, la carte j'appelle ça le confinement, hein, je sais plus comment c'est cette carte. À plusieurs reprises, je l'ai sortie. Je vais la chercher assez rapidement. Allez, allez. Voilà, c'est l'isolement, des choses comme ça, d'accord? Donc, oui, il est fort possible qu'on va vous annoncer ça. Ça, c'est clair et net. Et puis, ma crotte fera le point aussi dans 8 à 10 jours. Hein. Ou aller savoir si c'est pas un petit peu avant. Bref. Donc apparemment, je crois que Véreux veut parler de ce week-end, hein, pour Nice. En plus, le maire de Nice, il est d'accord, c'est ce qu'il veut. Hein. Voilà, lui aussi, vous voyez ce que j'en pense. Donc si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pourra voir ceci par région, par quartier, par localement, nanana, nanana. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est dit.
Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y aura encore des moments de chaos. Donc, chaos représente les épreuves, dont je vous ai dit depuis un certain temps. D'accord? Donc, je vous l'avais dit, avant une liberté universelle. D'accord? Alors, on apprend aussi, donc merci à mes abonnés, mes lumières, qu'il y a eu, j'étais même pas au courant. Et en fait, je vous avais sorti aussi, que je ne dis pas de bêtises, hein. Je ne sais pas si c'était sorti dedans, j'avais sorti le peuple, d'accord? Gilet jaune, peuple, pour moi c'est pareil, d'accord? C'est le peuple. Donc apparemment, il y a eu des manifestations aussi donc, à Paris, il y a eu aussi les motards qui se sont, voilà, qui ont fait ceci aussi sur les routes. Et puis en Birmanie, hein, il y a encore des manifestations, puis ça va très mal parce qu'il y a quand même, je crois, des blessés ou des décès, je ne sais pas, mais je vois quelque chose comme ça. D'accord? J'ai envie de vous dire, tiens, 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 on apprend qu'il y a le feu au Pays Basque, voilà, que ça proviendrait de l'Espagne. Voilà, encore du feu. Et puis là, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, sur mon portable, je reçois des choses, donc je prends note quand ça m'interpelle. On parle de Julio Iglesias, vous savez, ce chanteur qui est très affaibli, qui a quand même 77 ans. Donc voilà, on en parle, etc., etc., hein, dans la presse espagnole. Il y a aussi le chanteur Frédéric François aussi, qui a fait un petit tour en clinique ou je ne sais pas quoi, bref. Et j'ai eu aussi donc quelque chose concernant Bill Gaguette. J'ai perdu la page, mais il y avait quelque chose. De toute façon, ça va ressortir demain certainement, ce soir. Il y avait quelque chose. Enfin, je vous demande d'imaginer hein, où il y a un lien donc avec aussi ces vaccins. Voilà. Donc je ne vais pas tout dire ce soir. Voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles de ce monsieur centenaire, et pour vous dire aussi donc merci pour vos gentils commentaires. C'est vrai que ça fait très mal, mais bon, ça fait partie de la vie. Puis j'ai pas envie de prendre des cachets forts, voilà. Donc je fais avec, hein, tout simplement. Et puis voilà, c'est des petites crises qui arrivent, et puis après ça s'en va. C'est vrai que j'ai énormément marché d'un point A à un point B au point B au point C, que j'ai fait une journée de marche et ça faisait peut-être de trop aussi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'ici je fais beaucoup de choses aussi. Voilà, je vous avais dit que je m'étais séparée d'un aspirateur. J'ai Nuki qui perd aussi ses poils, donc je suis toujours avec le balai. Voilà, enfin bref, vous n'êtes pas là pour entendre ça, mais bon. Je déplace aussi des meubles quand il le faut pour nettoyer derrière. Je suis comme ça. Donc comme je suis toute seule, je fais avec. Voilà. Donc il faut bien faire toutes ces choses aussi chez soi. Donc voilà. Eh bien écoutez, je reviendrai. Alors demain après-midi, j'ai une cam avec mon petit-fils, voilà, qui va fêter son anniversaire. Et comme je suis ici, que je travaille, je n'ai pas pu être près de lui. Et de sa famille, ses parents, son grand-père, ses autres grands-parents, etc. Donc, on va faire une cam, voilà, puisque j'ai envoyé un colis pour son anniversaire et j'avais envie de le voir découvrir ses cadeaux. Donc, avec ma fille, on a mis ça en place pour demain après-midi. Alors, je ne sais pas si je vais revenir vers vous demain matin. Voilà, parce que je pense que demain matin, je vais dormir un petit peu quand même. Malgré que je dis ça, des fois, je suis réveillée plus tôt. Voilà, parce que je suis habituée, vis-à-vis aussi de mon travail, parfois, à me lever plus tôt. Et c'est vrai que quelque part, ça déstabilise aussi donc Nuki. Parce que quand je me lève plus tôt, eh bien, il est un peu en décalage au niveau des sorties, du repas, etc. Voilà. Et quelque part, il est obligé de suivre un petit peu mon rythme. Voilà, où j'ai des horaires assez aléatoires. Donc voilà. Donc je verrai si je peux revenir vers vous demain, peut-être après la cam avec mon petit-fils, le temps que ça recharge, etc. Mais promis, je reviens, parce que j'avais d'autres choses à vous dire. Mais bon, là, voilà, vis-à-vis de ce monsieur aussi, ça me contrarie. Voilà, je suis une personne qui est assez sensible. Voilà. Cette sensibilité qui nous amène parfois à ressentir des choses aussi.
à ressentir les énergies des personnes, qu'elles soient positives ou négatives, et puis d'autres ressentis également. Bah écoutez, c'est tout. Donc je vais vous souhaiter une agréable soirée. Ça fait quand même 20 minutes que je suis avec vous, à vous blablater. Mais j'ai envie de revenir sur Nice. Donc moi, je vois quelque chose. Hein, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà, en plus il fait beau. Donc voilà. Allez hop. Interdiction de sortir. Ou est-ce qu'on va mettre un couvre-feu plus tôt, ou je ne sais pas, un confinement local, ou après ça va aller en grandissant. Voilà, parce que d'un côté, un moment, on nous parle de la Moselle, etc. C'est variant, machin, et tout, tralala. Et puis là, tout d'un coup, c'est Nice. Voilà, c'est explosif. Enfin bref, vous savez très bien ce que j'en pense, d'accord? Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je pense très fort à vous et merci de vos gentils commentaires. Et veuillez encore m'excuser. Voilà, j'ai pas le truc d'interpréter des choses, de dire des choses, etc. Comme je dis, il faut être bien, 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 bien pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà. Bah, après, ce ressenti vis-à-vis de Nice, je l'ai. Et peut-être même voir ailleurs aussi. D'accord? Pas que Nice. Bah écoutez, c'est tout, hein. Je vais vous laisser. Allez, je vais voir vite fait là. J'ai laissé les cartes telles qu'elles sont depuis la dernière fois que. Depuis hier. Hein. Voilà, je vous parlais de Nice. Hein, voilà. Il ressort toujours cette carte, pardon, de la manipulation. Mais comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont davantage éveillées, qui voient clair. Le troisième œil. Donc nous sommes toujours dans cette. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec cette manipulation, eh bien, il ressort à côté davantage de vérité. D'accord? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a toujours le blocage qui ressort. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Il y a le blocage, mais il y a comme une dualité. D'accord? Donc la dualité, ça peut représenter encore eh bien, la lumière contre l'ombre. Ça peut être aussi voilà, une dualité aussi vis-à-vis du peuple, etc. Je parle aussi en général, pas qu'en France, d'accord? Et là, j'ai la carte du printemps. D'accord? Donc, mars, nous y sommes bientôt, hein. Je crois que c'est à partir du 21 ou du 20 mars, d'accord. On parle de dualité, mais il y a quand même quelque part un blocage. Après, je vais voir avec d'autres oracles assez rapidement. Voilà, on demande toujours d'être bien ancré, hein, bien centré, etc. C'est vraiment important. Et de l'autre côté, on parle de plaisir. Mais alors attention, parce que quelque part, je pense qu'ils veulent réouvrir les restaurants, les cafés, etc. Mais sous certaines conditions. Hein, c'est le but, de toute façon. Soit les tests ou soit le vaccin. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit. D'accord? Voilà. Donc, en plus, il y en a qui sont d'accord. Voilà, le but c'est de réouvrir tout ceci, même les centres culturels, etc. Ça va être encore avec des conditions, etc., etc. Soit test ou soit vaccin, sans ça, vous ne pourrez pas y aller. Donc voilà, il y a quelque chose qui va tomber au niveau d'une personne ou des personnes. Il y a encore le verdict. Et donc j'ai la carte du printemps.
D'accord. Alors après, là, j'ai le retard sur ce verdict. Alors, je ne sais pas de qui il parle. Là, j'avais la tranquillité, le changement aussi. Donc, le changement aussi de saison, c'est-à-dire un nouveau cycle, c'est-à-dire le printemps. Alors, il y a un contrat pour quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place. D'accord. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un lien vis-à-vis encore des vaccins, des choses comme ça. Quelque chose de nouveau, ça peut être aussi le fait que même si le Sénat a refusé au niveau des votes par machine, etc., qu'on vous met la pommade, on vous passe la pommade pour vous dire oui, comme ça, si vous vous déplacez, ceci, cela, on pourra le faire de loin, etc. Il y a quand même quelque chose qui se met en place, mais apparemment, ça va pas aboutir, d'accord? Ah, ça va pas aboutir. Là, je ressors encore, donc ça, l'enfermement. Mais à côté, j'ai la séparation de certains personnes, membres de l'État ou d'autres personnes aussi connues, etc., etc. Donc, ça peut représenter aussi l'enfermement, peut-être aussi ce qu'il veut faire donc à Nice et certainement ailleurs. Et ça peut représenter aussi ces personnes qui vont être séparées. Voilà. Comment dire, qui vont se retrouver vraiment isolés et enfermés, je dirais, parce qu'ils continuent donc ici à culpabiliser les gens. Et également, on continue, on continue, on continue. D'accord. Après, je les ramasserai. Hein. Donc là, on voit encore des femmes, hein, elles sont pas contentes, il y a encore des dialogues, tout ça. Est-ce que ça va pas être vis-à-vis aussi de ce qu'ils veulent mettre en place pour les enfants, les tests par salivaire, je ne sais pas. Enfin bref, moi je vois des mamans là qui échangent, qui sont pas contentes, parce qu'il y en a peut-être qui sont pour, mais il y en a d'autres qui sont contre. Hein. D'accord? Donc c'est fort possible aussi. Hein. Parce que quelque part, il y a des personnes qui voient clair maintenant, hein, qu'ils ont ce truc-là. Hein. Ici, et avec le verdict, vous voyez, nous avons aussi, donc ici, ce qui ressort, l'accusation. Alors, le verdict, l'accusation, et je vois que c'est au niveau aussi... Hein, si vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis de certaines personnes, des enfants, des femmes, etc., etc. D'accord? Donc, on va encore apprendre certaines choses. Là, je laisse parler les cartes, mais bon, je vais pas rester trop longtemps non plus, parce que c'était pas. C'était pas prévu non plus. Voilà. Donc on parle d'un changement radical. On parle de la réussite, mais il y a les pyramides. Voilà, pour plus tard, d'accord? Mais sur les hôpitaux, là, on nous dit méfiance. Ah, ça a un lien avec les hôpitaux. On nous dit méfiance. Alors, est-ce qu'on vous dit vraiment la vérité? Parce qu'il y a la carte de la manipulation qui est sortie. Au niveau des chiffres, si on vous donne vraiment les bonnes images, que c'est plein, machin, etc., etc., malgré qu'on vous dit que ça redescend un petit peu, mais finalement, ça remonte ailleurs. Enfin, bref, c'est du n'importe quoi. Voilà, ils sont un petit peu paumés, là, je trouve. Ça pue quoi inventer, là. D'accord?
Et des personnes, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, voilà. Hein? Ésotérisme. Alors, il est quelle heure là? Il est. Je me déplace, que je vois pas d'ici. Il est 21h05. Donc, après, le temps que je partage, etc. Bon, apparemment, on y pense très fort, hein, ce confinement. D'accord, on y pense très très fort. Par contre, là, je vois quelque chose au niveau de. Pour moi, je vois comme un tremblement de terre. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est à l'étranger ou en France. Parce que du coup, la carte de l'étranger est toujours sur le bureau avec la femme. Donc, je vois comme un séisme quelque part. Hein. D'accord? Donc, rappelez-vous de ça si jamais vous en entendrez parler, ce que je ne souhaite pas non plus. Voilà. Il y en a une qui est tombée. Là encore, je suis désolée, ça me parle encore de violence. Hein. Donc peut-être dans d'autres pays et peut-être en France, je ne sais pas. Mais je vois quand même avec le couteau, de la violence, encore quelque chose encore au niveau du poignard. Donc il y a le serpent, mais quelque part il y a la colombe. D'accord? La colombe que je mettrai avec la porte, l'issue, l'ouverture, le renouveau. Hein. Et puis là, à mon avis, on va entendre un. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va parler, qui est blond et qui n'est pas en France, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Quelque part, il représente aussi, il est un peu comme un ami. Hein. Voilà, il y a le chien est fidèle, comme un ami. Donc, à mon avis, avec l'oiseau, on aura des nouvelles ici, sur cet homme blond, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais bien parlé ce soir. Hein. Des nouvelles encore, on me parle encore de dossiers, de choses comme ça. Hein. Des choses qui sont pas. Hein. Et pour moi, là, ça représente aussi, ça peut avoir un lien aussi avec, comment dire, tout ce qui est chanteur, machin, etc., artiste et tout. Bon, c'est pareil, ils veulent aussi hein, revenir, mais je pense qu'il y aura des conditions. Mais je vois aussi ici, là, à bas les masques. Donc, on aura des nouvelles. Et ça va nous parler encore de mails, de dossiers, de plein de choses qu'on découvre là-bas, là-bas, là-bas. Hein, puisque vous voyez qui je veux dire. Et puis, il est sorti, donc, l'oiseau, donc des nouvelles. Des vérités. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors là, je tombe sur des voyages. On voit un avion, on voit un bateau. Mais pour moi, la chauve-souris, ça représente aussi le virus ou un variant, j'en sais rien. Est-ce qu'on va pas apprendre, voilà, au niveau des vacances, je sais pas, quelque chose dans ce style-là, dans des bateaux, dans des avions, le virus ou. Je sais pas, il y a un lien comme ça de déplacement avec le virus. D'accord. Donc, si vous en entendez parler, vous me le dites en commentaire. Hein, parce qu'avant, j'ai toujours des personnes qui me disent ceci, cela. Bon, là, j'ai pas une très bonne carte. Ça me parle de pas mal de décès, voilà.
Attendez. Hop, que je la retrouve. Voilà. D'un côté, j'ai ça et de l'autre, j'ai ça. Bon, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, il y a l'issue, il y a la colombe qui est sortie, ça représente la paix. Au niveau du temps, il y a l'ouverture, il y a la réussite, il y a le renouveau. Et puis là, nous avons la colombe. Voilà, je vais vous laisser et je vous fais plein de bisous et je reviendrai ultérieurement pour la suite. Hein, d'accord? Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre, mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous fais plein de bisous et à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous, bisous. À bientôt.